Bonjour à vous, et nous voici pour le 22e épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Donc après avoir fait la tour des âmes, on va faire la suite de la quête principale, l'arène de Villacombris. Donc l'équipe du jour, elle n'a pas changé. Donc un ectoplasma que j'ai fait évoluer à la fin du précédent épisode, que j'ai m'empressé de déposer dans la bonne boîte. Alors, toi tu reviens ici. Donc équipe du jour, Narnmorna niveau 76, donc c'est un Granina. Rookermash niveau 76, surnommé Ewen. Brazegali niveau 77, surnommé Mana. Lagron niveau 77, surnommé Elwynwen. Et un Florizan niveau 75, surnommé l'OTC. C'est parti. Ne perdons pas une minute. Parce qu'il me semble que le dernier épisode est quand même un peu long pour une simple tour. Arène. Léa, la fille qui parle aux esprits. Oula, ça fait peur ça. Un conseil pour vaincre les Pokémon Spectre. Évite le type normal au combat. Ouh, c'est un lieu le ouh là. C'est une faute d'orthographe. Sinon, fais en sorte d'avoir une attaque ténèbre ou spectre. Merci. C'est qui a la pièce rune? Résumé. Non, lui il a la chance. Non, ça va être. Pièce rune. Alors je vais faire combien j'ai d'argent parce que je sais que je suis pauvre. Un peu plan Zas, ok. Vainqueur, personne, on a compris. Allez. Tiens, c'est une arène au restaurant. Reste. Question. Combien de tables y avait-il dans la salle précédente? Ah oui d'accord, j'ai compris, ça y est. J'ai compris les nids en fait. Donc ça fait penser un petit peu à la reine de Cramoisy là. Ok, donc si on prend la mauvaise porte, on se prend un dresseur. Et si on prend la bonne porte, ben... on a compris, il n'y a pas de combat. Donc une attaque leur 5 à 42 puissance, bon même si c'est stabé. Ça one-shoot un ectoplasma. Hein. Ah oui, coup de sac. Ah oui, d'accord. Ok, bon on va faire le dresseur ici. Hein. La peur des fantômes. Bah oui, moi je fais toujours tous les dresseurs. Ah, il est pas OS. Genre de situation bien marrante. Ouh, carrément un guérison. Ouais, sauf que maintenant j'attaque deux fois plus fort. Ça tape à 80 de puissance. Donc là, t'es forcément OS. Alors, 1000 milliards de cigarettes. Non, je ne veux pas 1000 milliards de cigarettes. Allez, attends.
En vérité, le seul point faible des Pokémon Spectre, c'est le type ténèbre. Il n'y a pas, il y a aucun autre point faible. T'as pas peur, on dirait. Elle est toujours fermée à clé. Alors donc, faut compter le nombre de chaises et de tables, je suppose. Alors, il y a 10 plats. 2, 3, 4. Alors, 5 plats, 4 plats blancs. Non, 1, 2, 3, 4. 5 de chaque type, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 chaises et 5 tables et 5 plantes. Porte de gauche 5, porte du milieu 6, porte de droite 7. Gauche. Bon, une fois qu'on a compris, allez, on va faire les dresseurs parce que c'est marrant de taper du dresseur. Bon, donc c'est très similaire à l'arène de cramoisie là au final. On nous pose des questions et si on donne la mauvaise réponse, ben on va combattre le dresseur. Je pense que j'ai oublié de récupérer la baie. Oui, bien choisi. Oh, ça va, j'ai perdu que 11 points de vie. Allez, encore un dresseur de plus. Je m'entraîne pour être aussi fort que les... avec un H à la fin. Top dresseur! Je suis un dresseur qui est en top! On notera qu'en 3ème génération, il n'y a pas beaucoup de Pokémon Spectre différents. Ça va pas faire mal, ça. Ah bah si, c'est un peu fort quand même. Miam miam. Alors, il faut compter tout ce qu'il y a ici. Oula, c'est de plus en plus grand, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23, 31, 32 chaises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes. Ah, il y a un plat de plus marron que blanc. Donc 6 plantes. Ah, j'aime bien ça. 6 plantes, c'est ça, oui. 4 femmes. J'avais dit 28 chaises. Attends. Non, 32 chaises. C'est vrai que c'est ça. Ouais, 32 chaises, 6 plantes, 7 tables et. Ok, c'est bon, on y va. Merde. Ah, bah c'était la bonne réponse. Combien de sièges? Ah oui, ont le dos de leur dossier orienté vers le mur droit de la salle précédente. De la salle précédente, c'est en bas le mur. Ah oui, donc la réponse était 10. Ah mais elles sont quand même tordues leurs questions. Hein. D'accord, j'ai compté le nombre de chaises mais pas l'orientation des chaises. Critique. C'est vrai, je pas le OS. Ouais, j'ai juste en guérison, ça fait plaisir.
Voilà, t'as perdu de la défense, maintenant tu peux plus résister. Alors ce Pokémon, pour rappel, n'a aucun point faible. T'as un peu mal. Ah non, c'est vrai que les Pokémon de type proche ne craignent pas la glace. Je sais, c'est bizarre. On sait que le type glace est le pire type de Pokémon. Avec le type psy. T'as de bons Pokémon en tout cas, oui. Allez, pas beaucoup de Pokéfreaks, c'est triste. Non, je vais aller ici. Allez, le combat s'il te plaît. Ah, enfin de la visite. Et je pense que j'ai oublié de récupérer la baie. Comme d'habitude, ouais. Bon, je pense deviner, Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. Allez, on va accélérer un petit peu. Level up. ...161 de vitesse, je vais pas pouvoir me doubler, hein. Ah bah c'est sûr, ça fait peur, une arène... Ah, c'est déjà le champion. Voilà, je donne un petit les mémés, le... je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre en premier. Ouais, on va mettre Florizarre en premier. C'est parti. Oh, mais tu es le garçon de la Tour des Âmes. Je te remercie encore pour ton aide. Sans toi, les esprits des défunts Pokémon auraient été perturbés. Je vais me représenter officiellement. Je suis Léa, champion de l'arène Villa Cambrice. En ma qualité de championne, j'accepte ton défi. Ah bah c'est très formel. Hein. Ouais, elle doit être en tour du niveau 70. Ça semble logique. Ah merde, ouais, il va falloir que je switch. Ah non, je sais comment le mettre KO. D'accord, il m'en fout. Eh oui, les dégâts indirects, ça marche très bien. Mille milliards de cigarettes, je pense. Je sais même pas si c'est son meilleur Pokémon. Allez, tant pis, on va prendre ça de la baie. Laser glace, oh ben, ça nous surprend. Hein. Allez, on va accélérer maintenant. Allez, la tempête de sable. Parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas de tempête de sable. Ah oui, elle a 6 Pokémon, d'accord. J'espère que j'ai assez de machouille. Bon, à mon avis, largement, oui. Oh, c'est bon, tranquille. Alors les Pokémon Spectre sont rapides, mais j'ai entraîné Tyranocif spécialement en vitesse, histoire qu'il se fasse pas trop doubler. Niveau 69.
Ah, il est plus rapide. Alors, on va pas comprendre pourquoi une attaque de type psy passe sur un Pokémon de type ténèbre. On va réfléchir à ce que je peux faire de vous. Bon, allez. Oh, le coup de chance. En fait, je réfléchissais quel était mon Pokémon qui avait l'attaque la plus puissante. Alors, il a lévitation, donc ça sert à rien. Ah, il est plus rapide que lui. Ah bah oui, il me débuff. Bon, attaque surf, stabé, ça devrait quand même faire mal. Hein. Prendre sa baie spéciale. Bécitrus. Donc c'est pas son meilleur Pokémon. Bon, normalement je le touche shot avec Surf. Hein. Et s'il me fait trop de résistance, je le vampigraine. Bon, je commence à m'énerver avec son hypnose là. Allez, prends-toi la tempête de sable. Je vais l'empigrainer parce que là. Ah, je rencontre de la résistance, hein, ça y est. Hein. Oui, mais son guérison, vas-y, fais-toi plaisir. Oh là là, ouais, là par contre je prends la tempête de sable. Il y a combien? 166 de vitesse. Ouais, un chouïa plus que Tyranocif. Ah, je le double, c'est bon. Et là il peut rien faire contre la vampigraine, il va se la taper jusqu'au bout. Hein. Allez, maintenant c'est toi qui vas faire dodo. On va commencer à attaquer, même si c'est pas efficace. Ah, ça fait rien du tout, là. Donc, pour rappel, Hypnose, dans la troisième génération, a 90% de précision. Hein. Et non 60. C'est pour ça que ça ne rate presque jamais. Attends, avec la tempête de sable plus la vampigraine, il perd 3 16e de CPV par tour. Hein. Donc il peut pas tenir éternellement. Hein. Allez, je vais revenir sur Tyranocif.
qui est génial avec la Pokéflûte, c'est que ça réveille tout le monde. Donc toute l'équipe, tous ceux qui sont sur le terrain. Et donc comme j'ai deux Pokémon endormi, bah ça fait deux réveils pour le prix d'un. Et on a un tour. Allez, maintenant je vais pouvoir le mâchouiller. Alors je vérifie vite fait. Voilà, tout le monde est réveillé. Hein. Ah, il a raté son attaque. Ah, coup critique, c'est bon. Il en a eu marre, Tyrannosif, il dit c'est bon, je m'en débarrasse. Hein. Spectre va être envoyé. C'est quoi ça? Oula, Spectre. Oula, c'est quoi ce Pokémon inconnu là? Ouais, il fait mal là. Allez, ouf, les one-shot, parce que là, il tapait fort. Hein. On va dire que c'était un missing no, allez. Elle a utilisé un missing no. Comme je m'en doutais, tu es vraiment fort. Ouh, 14 000 Pokéfreak. En reconnaissant sa victoire, voici le badge éternel. J'ai gagné un badge éternel. Pikachu. Le badge éternel est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Je trouve également cette CT. Ballon, je suppose. Oui. Une technique spectre qui affaiblit la défense spéciale de l'adversaire. Bah oui, c'est un badge officiel, on a compris. Donc c'est quoi? C'est une croix Hank. Et ben voilà. Où elle est où sortie? Ah oui d'accord, elle est là la sortie. C'est vraiment un excellent dresseur, il manque un C, hein. Y a pas à dire. Alors, il y en a quand même pas mal des coquilles orthographiques dans ce jeu. Alors, il me semble, je sais pas combien de temps ça fait que je fais l'épisode déjà, mais il me semble que le monastère à l'est de la ville est tout débloqué, en toute logique. On va comme vite fait soigner les Pokémon. Bien compris, à bientôt. Ah par contre son ectoplasma il m'a fait de la résistance hein. Alors non c'est pas par là. Ah non il faut être rock. Ok donc c'est pas pour aujourd'hui. Donc du coup on va s'arrêter là. On va se regarder. Et en tout cas merci d'avoir regardé. Bon je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.